Edgar joue au tennis de table depuis l'âge de 9 ans. Il est en situation de handicap. Il est hémiplégique complet bras et jambes suite à un AVC à la naissance. Il ne voulait pas trop entendre parler du handicap, peut-être par méconnaissance ou par peur, tout simplement. Pendant les Jeux de Rio qui sont passés à la télévision, en regardant la finale de Stéphane Moliens, où il voit le dernier coup de raquette qui permet à la France d'être championne paralympique, qui se retourne vers nous et qui nous dit « Papa et maman, je voudrais faire les Jeux aussi et je voudrais faire du handisport ». Edgar n'a jamais trop voulu entre guillemets assumer son handicap, vivre avec. Il a toujours voulu et toujours été en inclusion totale parmi les valides. Il était assez renfermé, certainement en difficulté par rapport à son handicap, de l'assumer ou de vouloir le cacher. Et là, il y a une ouverture vers les autres. Maintenant, il prend la parole. Parfois, il est interviewé, il répond à des questions un peu de manière spontanée. Et on a trouvé une grande maturité et surtout une ouverture d'esprit vers les autres où il est vraiment dans le partage, dans les solidarités. Alors nous, pour notre famille, le mouvement e-sport, c'était complètement inconnu avant 2016. On l'accompagne du mieux qu'on peut, on est beaucoup en déplacement avec lui. On avait nous-mêmes une réticence à le mettre parce que c'est une histoire familiale. Parfois, c'est des événements de la vie qui ne sont pas faciles à se remémorer. On fait vraiment une négation du handicap. Alors que là, le fait que ça soit notre enfant qui ait fait la démarche de nous emmener vers ce mouvement, et qu'on voit les rencontres qu'on a fait, notamment avec des parents qui ont les mêmes problématiques que nous, que ce soit scolaire, que ce soit éducative. Vraiment, il y a une ouverture de discussion, il y a une grosse solidarité. Ça a permis à Edgar d'énormément progresser, mais aussi nous, au niveau familial, d'avoir un regard sur le handicap qui est complètement différent. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et quand on commence à rentrer dans le mouvement, on se rend compte qu'il y a un épanouissement familial complet et c'est vraiment très intéressant. Et c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas faire de sport. Il faut simplement adapter et qu'il y a énormément de sports où on adapte la pratique et ce qui permet à tous les gens, quel que soit le handicap, de pouvoir faire du sport. Et le sport, ça permet d'avoir une dynamique, parfois médicalement de progresser, mais c'est surtout au niveau mental, ça permet de se construire. On vient adapter la pratique au handicap. Et c'est pas le handicap qui s'adapte à la pratique et c'est ça qui est très beau dans le handisport, c'est qu'il y a vraiment un projet individualisé.